Bonne course à tous, donc 50 minutes, hein, pas de météo puisque le circuit ne le permet pas. Respectez le marquage au sol, surtout l'entrée et la sortie des stands. Et attention au premier tour, hein, soyez prudents, fair play, etc. Comme toujours. Voilà, et Will qui vient de donner les consignes. Jérémy, si tu perds une place, ce sera de ta faute. Et il va être temps pour Max et moi de vous commenter cette course. Salut Tad. Salut Max. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être co-animateur avec toi ce soir. Oh bah de rien. C'est un plaisir. C'est partagé. Eh oui. Et là on va partir, on est sur la grille de départ donc pour... 50 minutes. 50 minutes exactement. Avec des Dawn Challenger 70. C'est parti. Oh, Amalfi est resté sur la piste longtemps. Ah, Amalfi a eu un peu de retard à l'allumage. Ouais. Et on arrive à la première chicane. Oh, c'est serré à l'avant. Ouais, attention, Mathieu. Ouais, on a toujours ce trio de tête. Jérémy est passé en tête. Mathieu, Maeva complète le podium. Commence à prendre un petit gap d'avance, ouais. Les trois premiers. Exactement, on a une bataille pour la cinquième place. Également, on a eu un petit contact entre Duff et Siro. Ça nous a permis de rejoindre les trois premiers. Un petit peu. Alors pour l'instant, on est hors de bataille. On a 3 secondes de distance avec les 8 premiers. Malfi très loin derrière à 9 secondes. Ouais, il a complètement loupé son départ. Peut-être un faux départ pour Malfi, sans doute. Sinon, ça continue à l'avant entre Mathieu et Jérémy. Ouais. Se lance pas d'une semelle. Maeva un peu en retrait. Duff un petit peu plus en retrait avec Cyril Aléon. Et Mathieu qui tente le dépassement dans le tunnel. Ouais, non. Pour l'instant, Jérémy reste. Il avait la meilleure trajectoire, Jérémy, à l'entrée du tunnel. Gros problème pour Malfi derrière. Ouais, Malfi est loin, ouais, malheureusement, ça sent le moteur cassé cette histoire, a priori. Donc, après un tour. Ah, on a Jérémy en tête. Ah, attention, Mathieu, l'aspi, Mathieu à l'aspi. Il s'écarte, il passe. Alors, attention, là, ouais, Jérémy qui fait le forcing en freinant très tard. Oui, Maeva derrière. Maeva derrière. Qui a les failli profiter. À moins de 5 secondes. Oui, et derrière, effectivement. Alors, maintenant, on a deux groupes. Hein. C'est nettement détaché. Les trois premiers, suivis des 4e ou 8e. Et Malfi, qui, malheureusement, est très très loin. Ça sent le moteur cassé. À mon avis, c'est l'épique pour Malfi. Non, a priori, il passe pas. Il reste sur la piste, c'est bizarre. Oui. Et là, tout semble être correct. On roule à une certaine vitesse convenable. Et devant, c'est toujours la foire d'empoigne hein, entre Jérémy et Mathieu. Maeva, pas trop loin non plus. Ouais, ouais, en observatrice. Oh. Siro, prochain dépassement sur Duffman. Effectivement, aussi. Encore très serré pour le groupe de devant. Il y a Will S24 aussi. Ouais. Will S24 pour la 7ème place. Malfi déjà 45 secondes. Ouais, c'est très étrange. Ouais. Ouais, le trio de tête s'est largement détaché. Clairement, 4, 5, clairement 6. Maintenant. Oui. Jérémy, Mathieu à l'aspi, encore une fois, va tenter encore. Et trio tight. Ouais, et Duff. Duff, difficulté, hein, je crois, pour Duff. Hein. 8ème maintenant. Ah, il est au pit, autant pour moi. Peut-être un dégât sur sa voiture. Alors, on le voit pas. Hein. Moi, je ne le vois pas, en tout cas, de dégâts sur sa voiture à Duff. Pareillement. Mais a priori, ça sent quand même le dégât. Le meilleur temps appartient à Mathieu pour l'instant en 43.3. Suivi de très près par Jérémy.
Et Jérémy qui lui-même est accroché par Maeva maintenant. Maeva. Bon, ça c'était joli. Très beau dérapage là. Allez, on va se mettre sur Maeva peut-être. Avec la caméra. Intérieur. Très joli. Et on a moins d'une seconde entre Will et S24. Ah, c'est très serré derrière. C'est très très serré. Oh oui, Will sur Eltrist pour la 6ème place. Pour la 5ème place, pardon. On a Siro qui commence à se détacher du trio derrière lui. Oh, Eltrist! Eltrist! Eltrist, tête à queue! Ah oui, qui repart 7ème. Ah, il a perdu beaucoup de temps. Ouais, clairement. Et derrière, c'est Mathieu et un peu. Respire un peu, puisque Jérémy est en bataille avec Maeva. Oh, le contact entre Maeva et Jérémy. Alors, pas de grosse incidence, a priori. Eltristan a perdu environ 10 secondes avec son tête à queue. Ouais, effectivement, ça est. Et encore, hein, et encore. Et Duffman, tête à queue aussi derrière. Et il est passé pas loin de la correctionnelle, hein, parce qu'il a croisé tout le monde. Il aurait pu se retrouver avec un moteur cassé. Pour l'instant, ça se bat. Hein, ça se bat pour la 2ème place, là. Ouais, le trio de tête roule en 1 minute 43 et les autres sont pas en dessous du 1 minute 45. 45 pour Siro, 46 pour Will, S24 et Eltristan. Mm-hmm. Les deux derniers sont un peu en retrait pour le meilleur tour. Alors attention au contact quand même dans le tunnel. Ah, le contact. Contact entre Maeva et Jérémy. Très léger. La chicane. Jérémy qui garde l'avantage. Très très beau. Très belle défense. Ah, et pendant ce temps-là, Mathieu en profite. Hein. Oui, définitivement. On a Malfi derrière en grosse difficulté. On va être obligé de repasser par les puits. Oh, la spi. Très belle. Spi de Maeva. Alors je sais pas, il y a peut-être eu un léger lag parce que j'ai l'impression qu'ils sont légèrement accrochés. Par l'extérieur, et Jérémy ne peut pas tenter. Non. Ouais. À tout à l'heure, il avait pu tenter en freinant très tard et en coupant la route. Jérémy était devant, c'est Maeva qui vient de dépasser. Oui. C'est Maeva. Eltristan au puits. Au puits, ouais. Alors, changement de stratégie ou dégâts. J'ai pas vu de dégâts sur sa voiture. Mais on les voit, c'est ça le problème, c'est que y a un problème. Grosse difficulté pour Malfi, une autre sortie de route derrière. Déjà relégué à un lap. Ouais, maintenant. Et puis Malfi a ce fair play qu'on lui connaît, mais des fois, malheureusement, il en joue un peu trop. Ce qui fait que des fois, les drapeaux bleus se mettent hyper en danger pour les respecter. Mais bon, au moins, c'est un pilote fair play sur la piste. Mathieu, c'est se construire une petite avance sur les deux premiers. 2 secondes et 7. 3 secondes 1 maintenant. Ouais. 3 secondes 1. Et Maeva et Jérémy toujours en bataille pour la deuxième. Derrière, c'est Siro. Siro seul. 10 secondes. Ouais. Will, 5. À 15 secondes environ. 6ème S24. Et la 7 et 8ème sont à peu près dans le même. Donc pour l'instant, la seule bataille. Allez pour la 2ème place. Pour l'instant.
Mathieu détient toujours le record pour le meilleur tour en 43.0. Ouais, 43, ouais, effectivement. Jérémy est pas trop loin. De 0.300. 3 dixièmes. Ouais. 3 dixièmes. 3 dixièmes, c'est... voilà. Alors, 3 secondes 2, 8 dixièmes, on est toujours en dessous de la seconde, entre Jérémy et Maeva. Crois-tu qu'un des deux va tenter l'undercut? Je ne sais pas trop. Alors, faut aussi voir l'état des pneus de chacun, parce que... Les deux, c'est similaire. Ouais, les deux sont similaires. Oui. Ben, en fait, le trio de tête, c'est très très similaire. Ensuite, derrière, c'est un peu... pour Siro et Will, l'usure est un petit peu plus prononcée. Malgré que Will... Ah oui, le train arrière. Ouais, le train arrière, très, il est très propre. Bon. Ouais. Alors, l'undercut, pourquoi pas? On va voir ça. On va vite ça le savoir, le là. Ça serait le temps. Ouais. Ah là, oui, oui, là... Alors, Malfi qui... Ouais, attention. En retard. C'est bien joué. Ah, Malfi est en très grosse difficulté. Ça, clairement... Non, personne ne le tente. Si, c'est Jérémy. On va voir si c'est un choix payant. Il faut que Maeva soit très 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 constante sur ce tour-ci. Oui, et il faut que Jérémy ne ressorte pas dans le trafic. Exactement. Alors, si on passe... Mais Jérémy ne sera pas pris dans le trafic du tout en ressortant. Surtout que là, les stands sont assez longs. C'est une piste quand même assez longue. Malfi, très grosse difficulté. Oui, les trois roues sont effectivement là. Je vais surveiller Jérémy et Maeva. Ah, Jérémy est sorti sixième. Oui, il est loin, il est loin, il est loin d'œuf et très loin de toute façon. Alors que l'on revoit les événements marquants du départ de cette course. Les écarts. Ouais, ça donne du 2 secondes 7 entre Mathieu et Maeva. On est déjà à 11 secondes. À 11 secondes, bah 13 secondes même, 14 si je m'abuse. 14, oui. Entre Siro et Mathieu. 18 secondes avec Will. Ouais. 29 pour S24 et Jérémy à 33 secondes. Je vais vérifier l'écart entre Jérémy et Maeva s'il est réduit considérablement. Oh! Ah, il y a quelqu'un? Jérémy, ouais. Il a foncé dans un mur. Moteur. Aïe aïe aïe, ouais, alors peut-être un lag pour Jérémy parce qu'il se plaint d'un bug a priori. Alors peut-être un violent coup de lag, hein, c'est possible. Et c'est la deuxième fois, malheureusement, Grand Prix d'Espagne, il avait déjà eu ce problème. Bah, il va à Mathieu au puits. Ouais. Ouais, et Jérémy là, frustré, hein, forcément, on peut le comprendre. Wilson aussi avec Siro. Siro, tout le monde y va, ouais. Tout le monde y va. S24 aussi, c'est en ligne vers là. Ouais, tout le monde y va, tout le monde y va. Donc, ouais, ouais, il y a des connexions de Malfi. El Tristan a un problème aussi. Du frappe à ouais, El Trist ouais. Également, ouais, effectivement. Donc, de toute façon, a priori, Jérémy est peut-être pas d'accord dans la panade qu'on. Malfi en transparence, mais le train en transparence. Qu'on pourrait le croire. Hein. Aïe, 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 il faut se méfier des transparences. Ah oui, les transparences, ouais. Ah oui, alors ça c'est le piège. Hein. Effectivement, Malfi devait pas être sur start et du coup, ouais, peut-être ça. Fait une mauvaise trajectoire, ce qui fait qu'il était transparent. Bon, Jérémy l'a croisé, boum. C'est le risque, hein. C'est le risque de ce genre de jeu. La question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas virer cette transparence directement? Oh oui, définitivement. Déjà 4 secondes entre Mathieu et Maeva. Ouais, et Jérémy, alors maintenant tu vas devoir faire à son faute, mais c'est pas terminé, faut pas abandonner, faut pas baisser les bras, parce que on l'a vu, c'est peut-être très piégeux cette piste. Donc un moteur cassé, ça fait un arrêt au pit en plus, oui, mais bon. Peut-être que tout le monde va le faire. Hein. Donc 4 secondes pour Maeva, 16 secondes Siro,
Will à 22, Duffman à 24, S24 à 36 et Jérémy à 45. El Tristan à 1 minute 27, loin derrière. Il est loin. Il est loin. Tous roulent avec des pneus neufs, sauf Duffman qui devrait être très près d'un otage. Oui, maintenant oui. Et puis là, ça va aller en s'usant de plus en plus vite. Hein. Donc, soit maintenant, soit au prochain tour. C'est rendu à 5 secondes entre Maïva et Mathieu. Mathieu qui a l'avantage sur cette piste. Plus rapide au qualif. Il avait fait un gros temps. À peu près à 2 secondes, je crois, du deuxième. Donc, qui était, en l'occurrence, Jérémy, me semble. Et Maïva roule avec 25 litres environ d'essence de plus que Mathieu. Donc, c'est à prendre en considération aussi. C'est vrai. Il n'y a pas aucune bataille en piste. Et il y a pas mal d'améliorations quand même. On voit là, hein. On voit Mathieu qui améliore, qui a fait un 34.5 magnifique dans le premier secteur. On a 34.8 pour Maléa. Siro, oui, il améliore aussi. Oh, et Mathieu qui est bien parti pour faire le meilleur tour là. Oh, ils ont toutes des purple, toutes des mauves. Ouais, ouais, clairement. Tout le monde est en vert. Ouais, c'est ça. Sauf Duffman qui roule avec des pneus, des vieux pneus. Des vieux pneus, oui, pas forcément. 31.7. Très bien. C'est la piste qui lui convient, Mathieu. On sent qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui. Oh oui, une seconde 6 de mieux. Une seconde 6 de mieux. Maeva va sans doute améliorer aussi. Voilà. Une seconde 4 aussi. Ouais, décidément. Elle n'est pas encore tout lâché là. Hein. Les deux en avant se sont complètement détachés du reste. Une bonne ligne droite, presque de différence. Et amélioration pour Siro. 44-299. Will améliore. Une 44-609. Oh, tête à queue pour Will Zone en sortie du dernier virage. Attention, en revenant sur la piste. Non, c'est pas Wilson, c'est Duffman. C'est Duff, effectivement, mais qui allait au pit. Ah oui, Duff qui a moteur cassé. Hein. Ouais. Mais ça changeait pas grand chose, je pense que de toute façon il devait rentrer, donc c'est un moindre mal, on va dire. Non, Mathieu n'améliore pas son premier secteur, ni Maïva. Siro, oui, par contre. Et Will aussi améliore son premier secteur. L'avantage des pneus neufs est déjà terminé. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, là on est à 8 partout pour Mathieu et pareil pour Maeva. Pareil pour Siro d'ailleurs. Will et S24 ont des 9 encore. Ouais, ça va pas jouer à grand chose. Oh, il a déjà un pneu avant à 7. Gauche à 7. Ouais. Oui, j'ai vu. Comme de fait, Siro et Will ont juste amélioré leur premier secteur. Et on a une bataille. S24 Jérémy. Oui. Et c'est fini. Jérémy qui est vite passé. On va quand même suivre. Rien n'est perdu pour S24. Surtout que maintenant c'est Jérémy qui a la pression. Donc, attention. Jérémy tournait en 42.9 à son dernier tour, tandis que S24 en 1.47.3. Ouais, on n'est pas dans les mêmes eaux effectivement. Vraiment, pour l'instant, il y a Mathieu et Jérémy qui roulent en 42. Maeva en 43. Will en 44. Siro en 45 avec El Tristan. Sept secondes entre Mathieu et Maeva. 2 secondes de prix en 3 tours. Ah oui, là, ça a été vite. Hein. Oui. Là, on regarde, tu reprends 8 dixièmes déjà au dernier... Attends, il a repris combien? 8 dixièmes, ouais, c'est ça, sur le dernier tour. Donc ça va vite.
on va avoir une bataille entre Duff et Tristan peut-être. Sans doute, oui, oui. C'est ce que je voyais aussi. Allez, on va se mettre sur le capot de Duff. Duff a l'avantage des pneus pour deux tours. Ouais. Par contre, sa voiture est un poil plus lourde quand même. On va voir. Ah oui, plus qu'un poil. 25 litres environ. C'est pour 50 minutes, je connais pas les quantités d'essence à embarquer, mais c'est intéressant comme différence pour certains pilotes de rajouter de l'essence au premier puits, et pour certains, non. C'est que le deuxième arrêt au puits va être plus long pour ceux qui n'ont pas mis d'essence. Ah, c'est ça. C'est intéressant à voir comme stratégie. Et Duff qui a vraiment du mal hein, avec sa voiture. Je sens qu'il a du mal à réaccélérer. Ouais, il est lourd hein. Une seconde 4. Mais surtout que la Duff Challenger est pas connue pour sa légèreté de base. Donc... C'est une américaine. Ça crisse. Jérémy revient par une seconde et demie par tour sur Will. Peut-être revenir dans le top 4 serait possible pour Jérémy. Il est à 15 secondes de retard, hein, je crois, hein, environ sur Will. Mm-hmm. Il reste à peu près une demi-heure de course. Ça peut aller vite, en plus avec les différents arrêts. Si je regarde, Jérémy a déjà mis son essence, donc il devrait garder un petit avantage. Oh, à la faute pour Jérémy. Jérémy parti à la faute, elle triste aussi. Elle triste dans le bac à sable. Huit secondes entre Maeva et Mathieu. 8.1. Secondes 5 de retard de Jérémy sur Will, il a perdu du temps. Effectivement. Oh, et encore une fois, Jérémy. Ouh là là, bah voilà. Oh, Jérémy à la sortie de la chicane. Sa voiture qui est complètement partie, qui a fait du survirage. Oh, il a vraiment du mal. Ouais. Là, les pneus commencent à... On est près d'une deuxième vague d'arrêt au puits. Hein. Ah ouais, oui, là, maintenant. On sera sur trois arrêts, hein, normalement. Il me semble. Attention quand même à ne pas retarder ses freinages trop régulièrement. À ce stade-ci, c'est important de freiner... prendre son temps pour freiner et d'être à la bonne vitesse en entrée de virage. Et S24 est là, hein. Attention. Oui, il est revenu. S24 doit avoir un petit souci lui aussi de son côté avec les deux fautes de Jérémy. Mathieu est définitivement dans le coup dans tous les secteurs. Mmh. Il roule vraiment bien. Alors Maeva, il est à maintenant à 8.3. Oui. À coup d'un dixième par secteur maintenant. Alors, est-ce que Jérémy ne serait parfait une petite santé là? Une petite. De 2 secondes environ. Oh, peut-être plus 3 maintenant. Ah, il y a 3 secondes maintenant. Sinon, ce qui se ressemble le plus à une bataille Willzone au puits, c'était Zero et Willzone. Mais Will est rentré au puits. Ouais. Alors, on va voir maintenant. Alors, qui est à... Alors, il y a Jérémy qui est à 20 secondes, 21 secondes, S24 à 24 secondes. Au-delà, c'est pas la peine, puisque Duff est déjà relégué à plus de 50 secondes.
C'est peut-être ici que ça peut jouer, Jérémy. Ah, lui, Jérémy c'est... est déjà passé, S24 aussi. Et Will sort là. Will va sortir 6ème. Duff, lui, est à la chicane. Mathieu va sûrement s'arrêter seul à Psy ou le prochain. Ainsi que Maeva et que Siro. Oui, Jérémy, ça sent l'arrêt dans ce tour, hein, clairement. Maintenant, pour les trois premiers, peut-être ouais. Jérémy va essayer un dernier tour. Ça risque d'être risqué quand même. Mathieu est dans son dernier tour, définitivement. Oui, et en plus, de toute façon, il manque d'essence, hein, de toute façon. Oui. Il a vraiment joué parfaitement. Alors, Maeva va-t-elle remettre un coup d'essence, du coup? Oui, sans doute, elle n'a pas le choix, de toute façon. Ça dépend. S'il faut qu'il réarrête une autre fois, elle n'est pas obligée d'en rajouter autant que Mathieu lui a. Oui, voilà, c'est ça. Mais un quart de litre, un quart de réservoir, ça ne suffira pas pour un deuxième relais plein, de toute façon, complet. La question, est-ce que Mathieu va sortir avant que Siro passe? Ça va être serré. De toute façon, parce que Siro est au puits. Ouais. Siro est au puits de toute façon. Voilà, Mathieu repart. Maeva à son tour. À peu près la même quantité d'essence pour les deux. Ouais, un demi-réservoir. Siro en met un peu plus. Au 7-8ème pour Siro. Jérémy va passer. Et Jérémy est au puits. Jérémy au puits. Il y a beaucoup d'arrêts. Beaucoup d'arrêts au puits là. Et Will passe. Alors c'est peut-être étonnant pour Jérémy quand même cette histoire, parce que lui qui était repassé. Non, parce qu'il s'est arrêté au moment où tout le monde s'est arrêté, donc c'est logique en fait. Il fait le même relais que tout le monde. Non, il n'y a pas eu de bouleversement à ce niveau-là. On devrait être près de l'arrêt au puits pour El Tristan, ce lapsi ou le prochain. Alors Duff lui peut continuer peut-être deux tours, un truc du genre. Avec des pneus à 5-6. Et Jérémy qui est ressorti juste devant Duff. Mais avec ses pneus neufs normalement. Une confortable avance sur S24 pour Jérémy. Ouais. Sinon Maeva a pris un peu de temps sur Mathieu, rendu seulement à 7 secondes. S24 est triste et proche aussi. Hein. Alors ça c'est l'arrêt au puits, hein. C'est clairement l'arrêt au puits pour Maeva Mathieu. Parce qu'elle a remis moins d'essence. Seconde 3. Oui. Record de secteur pour Will, son premier secteur. Record de secteur pour Siro à son deuxième. Oui, effectivement. Alors, l'écart entre Maeva, 7 secondes 4, il a 4 dixièmes de mieux. Déjà au premier tour. Et même au dernier secteur même, hein, disons-le. 4 dixièmes de mieux dans le dernier secteur pour Mathieu. Le seul à tourner en 34.9 au dernier secteur. Ouais, un move, effectivement. Mais Maeva a aussi amélioré son dernier secteur, 35.2. Oui. Mais c'est quand même 3 dixièmes plus rapide, c'est un très gros gap. Il y a 3 secondes une entre Will et Siro. C'est proche, il a réduit. Oui, là, en améliorant en plus en 35.9 dans le dernier secteur. Il fait 2 dixièmes de mieux que Siro. Jérémy à 1 minute du leader. Duffman à 1:05. Ensuite, Maeva à 7.4 secondes de Mathieu. Siro à 35 et Will à 37. Alors, on n'a pas de bataille pour l'instant, mais ça peut peut-être venir là, parce que Will revient vite hein, sur Siro. Encore 5 dixièmes. Très très bon premier secteur pour Will en 35.2, son meilleur. Deux secondes six, un petit peu mieux. Ouais, allez, 32.7. Hein. Les deux, Siro et Will, font le même secteur.
Dernier secteur. 7 secondes 7 entre Maïva et Mathieu, et Maïva vient d'inscrire son meilleur temps en 42.1. Ouais. Et on voit quand même le gap, hein, entre le meilleur temps de Mathieu et de Maïva. Il y a quand même 7 dixièmes encore. C'est plus d'une demi-seconde, c'est énorme. Will, c'est meilleur secteur par-dessus meilleur secteur de la Panlap. Ouais, 43,980. 2 secondes 4. Alors, voyons. Ouais, parce que pour l'instant, oui, effectivement, c'est le poids. Hein. C'est le poids pour Will, mais attention aux pneus maintenant. Parce que les pneus vont peut-être jouer un rôle maintenant. Si Will a de meilleurs pneus. D'œuf au puits. D'œuf au puits, effectivement. S24 le dépasse à l'instant même. Une 46.1 pour S24, son meilleur tour. Will continue son retour sur Siro. Une demi point 100 secondes sur le. Un dixième sur le dernier secteur. Allez. Ça, c'est la rhume. C'est le ouais, c'est, le, c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Ah, il a perdu 4 dixièmes. Hein. Oh, ouais. Oui. Il a perdu 4 dixièmes. Mais attention, non, parce que Siro est pas très serein non plus. Ça fume beaucoup chez Siro. Peut-être que. Peut-être avoir, commencer à avoir des difficultés, Siro, avec ses pneus aussi. Oui, Will, ses pneus usent plus rapidement que ceux de Siro. Will a une usure plus prononcée sur son train avant. Et ça commence aussi sur son gauche arrière. Mm. Son arrière gauche. Ouais, c'est tout le train gauche, hein. Tout le train gauche est plus abîmé, de toute façon. 8 secondes pour Maïva et Mathieu. On est de retour à 8.2 secondes. Mais attention, hein, parce que Will a peut-être des pneus plus usés, mais moins chargés, hein, que Siro. Hein. Donc. Ça peut être son prochain arrêt va être très très court comparé à Siro. Ah, il sera très long, tu veux dire. Oui, 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 autant pour moi. Ouais. Effectivement. Nouveau pointage, 2 secondes, 2 secondes 8. 8 secondes 5 maintenant entre Maïva et Mathieu. 20 secondes pour Jérémy sur Wilson. Ouais. 19.9. 20 secondes 1, j'ai même moi. Donc, parce que j'ai mis l'écart entre chaque pilote. Ah, c'est vrai, je peux faire ça. Merci. De rien. C'est plus simple pour repérer où sont les batailles, du coup. Ah, moi, je faisais le calcul mental depuis tantôt. Qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé comme toi, hein, tu sais. C'est pareil. Mon Dieu. Mais c'est horrible. Tu veux te faciliter ma vie, toi. Bon, du coup, j'ai perdu les noms. J'ai fait une connerie. Ah, t'as remis les noms des voitures. Ben oui. Donc on a la Dodge Charger derrière la Dodge Charger. Allez, peut-être aller sur Mathieu pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de bataille, on va le suivre en caméra intérieure. Il continue sa course seul à l'avant, à prendre de l'avant secteur par secteur. 0.5 secondes de repris sur le seul premier secteur du dernier lap. Ouais, 9 secondes 6. Oh, il roule très très rapidement, Mathieu. Jérémy revient à 17 secondes de Will. Tantôt il était à 20. Il y a à peine 2 tours. Ouais, faut voir. Il lui reste 16 minutes maintenant. Il faudrait qu'il prenne plus qu'une seconde par tour. Je vais continuer de vérifier ses temps en tour. Ah, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. À moins que Will se décide, c'est le seul combat que je peux voir d'ici la fin. Oh, il vient de prendre 0.5 secondes. 0.6 secondes sur le dernier, Jérémy. C'est possible. S'il continue comme ça, c'est possible de rattraper Will.
Il reste un dernier arrêt au puits. Jérémy est plus lourd que Will. Ah, oui. C'est... Il est plus lourd, ça peut être intéressant. Tiro continue à prendre de l'avance sur Will, donc d'après moi, c'est fini pour ces deux-là. À moins sur le prochain... prochain relais, peut-être. Oui, ou quoi. Jérémy est déjà à 15 secondes. 15.5. Ça va bien. On devrait être très près de la des prochains puits. Et encore une fois, oui, parce que là, Mathieu, elle est dans deux tours, peut-être. Peut-être que Mathieu va étirer ça un peu plus que tantôt il a été jusqu'à 3 et 4 à l'avant. Je regardais plus pour Will. Ah, Will, ça va être le seul. D'après moi, Will, c'est au prochain tour qu'il va. Ah, il veut avec un pneu en plus avant gauche à 3. Il n'y aura pas le choix. À moins qu'il veuille. Qu'il veuille se virer tout le long. Mais... 9.9 secondes entre Mathieu et Maeva. Jérémy passé sous la barre de 15 secondes avec Will. Maeva au puits. Et ça commence. Ça commence. Mathieu, lui, préfère poursuivre. Maeva tente l'undercut. Il y avait 9.9 secondes entre les deux. Avant que Maeva rentre au puits. Donc on va voir. On va voir ce tour-là de Mathieu qui pourrait être important. Là. Les deux prochains tours, peut-être. Mathieu roule 0.5 secondes plus lentement que son dernier premier secteur sur ce tour-ci. Là, on sent vraiment la limite. Hein. 4 sur tout le côté gauche, 5 sur le côté droit. Maeva va sortir derrière Siro. Will au puits. Juste derrière. Et Siro se loupe légèrement. Il faut pas que Maeva perde trop de temps. Voilà, et Maeva ne perd pas trop de temps, du coup, effectivement. Donc là, c'est tout bénef pour Maeva. Jérémy passe Will. J'ai oublié de regarder la distance entre les deux avant l'arrêt au puits de Will. Ça aurait pu être intéressant. Ouais, parce qu'elles ont 4 et hors course. Hein. A priori. Oui, bon, oui, définitivement. Alors, est-ce que Siro va pouvoir s'accrocher? C'est toute la question. Moi, elle a déjà perdu du temps, mais. Avec ses pneus qui sont finis, ça sent plus l'arrêt au puits. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, ça vient de donner une chance à Jérémy de revenir un peu plus. Jérémy était à 14 secondes avant l'arrêt au puits. Non, c'est vrai, c'est Maeva qui est au puits. Oui. Mathieu est au puits. Alors, attention à ne pas louper quand même son entrée. Hein. Ouais. Ça peut être important. Il suffit que l'ordinateur se loupe complètement. C'est bon, ça passe sans encombre pour Mathieu. Jérémy, lui, alors un peu plus d'essence. Là, il peut se permettre de remettre quoi, un demi-réservoir à tout casser, même pas. D'après moi, demi, c'est trop. D'après moi, ça va être... Non, il peut rajouter jusqu'au demi-réservoir, on va dire, donc il n'aura pas grand-chose à rajouter. Si on regarde Maeva, elle a quand même rajouté un petit peu plus que le 3 quarts, Mathieu un peu moins. D'après moi, ils ont tous mis trop d'essence, mais peut-être que je me trompe aussi. Au puits pour Siro. Siro, ouais. Oh, Jérémy s'est loupé. Bah. Ouais, ouais. C'est terminé. Jérémy, a priori, s'est complètement assez loupé. On va le voir sur. Il était bien, il revenait bien sur Siro. J'ai l'impression que dans la chicane, il s'est loupé. On va voir. On va voir. Peut-être que je l'ai pris vraiment au plus mauvais moment, au moment où il était à plus basse vitesse, mais. Vraiment l'impression. Non, d'après moi. Ouais, Jérémy, il est déjà dessus. Will va peut-être. Siro va sortir devant Will, mais très très près. Ouais, et Will a des pneus neufs. Will a des pneus neufs. Il est parti pour finir la course. Ça va pas être gagné pour Jérémy. Hein. Ah, Jérémy, il est loin.
Maeva est revenu à 9 à 10 points, seconde point 1. Bon, a priori, Duff est loin, trop loin. Son de corps a rien donné. Et a priori, c'est peut-être. Non, j'allais dire c'est peut-être Siro, mais même pas, parce que Siro. C'est quand même pas perdu de temps donc. Plus de chances que Will revienne sur Siro maintenant. T'as 2 secondes, point 3. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, voiture plus lourde, mais attention, hein, l'expérience de Siro. Jérémy à 20 secondes. Il s'est définitivement passé quelque chose pour Jérémy. Ouais, ouais. Les pneus étaient à l'agonie. Maeva a perdu 4 dixièmes ce tour-ci. Mathieu a ramené de bout en bout, hein? Mais c'est ça. À part le début de la course où Jérémy lui est passé devant, mais sinon. Sinon, il aura mené, effectivement. Il aura vu personne. Bah, comme le Grand Prix d'Espagne, hein, si vous avez suivi le dernier Grand Prix. C'était pareil pour Maeva. Là, c'est Mathieu hein, qui prend définitivement. Alors, Mathieu n'était pas là, hein, au Grand Prix d'Espagne. Mais Maeva avait mené du bout en bout. Elle avait complètement dominé. Notamment Siro. Et ce même Siro qui est pas très loin d'être rattrapé par Will. Il y a 2 secondes 6. Il y a 3 secondes entre... 1 seconde 8, attention, allons voir du côté de la dernière place, Duff. Duff revient sur Eltrist à vitesse grand V. 1 seconde 3 dans le dernier secteur. Et Maeva est là, aussi. Oh et Duff qui se loupe dans la chicane. Duff se loupe dans la chicane, Maeva passe. Ah dommage pour Duff, il était bien revenu là. Jérémy vient d'avoir un accident. Un dérapage. Décidément. C'est compliqué. Ah, et puis ça s'explique pas vraiment par les pneus hein, cette fois-ci. Sûrement trop voulu pousser. Sans doute oui. Des petits problèmes ici de connexion si jamais vous m'entendez mal. Oui, ça arrive, mais rien de bien grave. T'inquiète pas, on a compris. Pas de problème. Il y a 3 secondes entre Will et Siro. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de duel. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas de duel pour la 3ème place, du coup. Non, Siro vient de faire son meilleur 2ème secteur. Même chose pour S24 à son premier. Et puis, pour Will et Jérémy, c'était leur dernier secteur de leur dernier lap. Et en plus, Siro fait son meilleur tour, une 43-603. Les deux derniers secteurs en vert. Attention, Eltrist qui ralentit pour laisser passer Maeva, mais attention à Duff, qui est pas loin derrière. Allez, on y retourne. On tourne du côté de la 8ème place, du côté de Duff. Et oui, maintenant, Duff est là. Ça y est. Oui, avec elle, Tristan, j'avoue, complètement loupé ça. Et d'après moi, ça va être facile pour Duff. Ouais, voilà, ça passe. Ça passe. Oui, effectivement, de toute façon, pneu à l'agonie pour Eltrist. Alors là, Eltrist n'aura pas besoin de remettre d'essence, mais le problème c'est que le mal est déjà fait. Duff est équipé de pneus. Est-ce que les gens qui sont là. Attends, on t'entend mal du coup, Max. Ouais, je t'entends très très mal. Ça lag. Ça lag beaucoup. Problème de réseau. Là, ça devrait être mieux. Voilà, c'est mieux. Eltrist est au pic, logiquement. Donc, Duffman revient sur Maeva pour prendre un lap, si Duffman a le droit de la dépasser, bien sûr. Bah, oui, il peut la dépasser. Alors, et après, il y a du drapeau bleu, mais si Maeva est en difficulté... Alors, tu posais une question, du coup, Max, tout à l'heure. Je crois. C'était ça, ma question, que je voulais savoir. Est-ce que les gens qui sont un tour derrière peuvent redépasser les gens sont en avant d'eux, car là c'est sur le point d'arriver là. Ouais, effectivement.
Alors oui, je pense, mais normalement il n'y a pas de raison, mais il faut respecter le drapeau bleu, c'est tout ce qu'il y a. Si Maeva se plante ou si elle est en énorme difficulté, effectivement elle peut repasser. Jérémy qui continue à pester, j'ai l'impression. Elle est vraiment en difficulté. À plus de 25 secondes de Will. Là malheureusement il reste 5 minutes. Donc, l'essentiel pour lui est de conserver sa 5ème place. Les 24 et 20 secondes derrière. Mais... Et 14,8 secondes entre Mathieu et Maeva. Maeva en grosse difficulté avec ses pneus sur ce dernier. Sur ce dernier relais. Ouais, parce que Duff est là, hein. Duff est là toujours. Il suit le rythme. Mathieu est prêt à prendre un tour à S24. Et c'est fait. Alors Maeva. Ah oui, une seconde 8 de moins dans le dernier. Moins bien que Mathieu dans le dernier tour. 14 secondes 8, nouveau pointage dans quelques instants. C'est peut-être pas terminé pour Jérémy et Will. Will... Ah, 6 secondes 7, rien n'est fini, oui. Effectivement. Je parle. Will, peut-être qu'il va devoir réarrêter une autre fois avec sa quantité d'essence qu'il a. Si je me fie aux autres quantités des autres courseurs. Will en a vraiment moins que les autres. Alors après, il reste 4 minutes de course. Donc c'est-à-dire que. Non, c'est vrai. C'est 3 tours maximum. 3 tours. C'est les pneus qui me font peur du côté de Will. Parce que. On va voir. Ouais, la différence de pneus va peut-être. Oui, il fait beaucoup de trail breaking dans les virages, donc ça l'use forcément plus les pneus à l'avant. Je viens de comprendre pourquoi c'était le seul à être dans cette condition-là. Ouais, puis là, il a perdu, hein, je crois, 8 secondes de... Ouais, maintenant, il a perdu. Il a perdu une seconde dans le dernier secteur. Oh oui, là, 8 secondes de sirop, ouais, c'est fini. C'est fini. Moins d'un gros cataclysme, d'un gros chamboulement. Mathieu à 16 secondes 7. Et encore une fois, 1 seconde 8 de mieux sur le dernier tour. Waouh. Il roule encore en 43 avec ses pneus. À 5 et 6. Et... Ouais. Bravo. Ils ont vraiment beaucoup d'essence, hein, les Maeva, Mathieu. Ouais, effectivement. Siro. Ouais. Will. Ouais, et Duff est là. Duff est là. Ouais, et Duff dépasse Maeva. Duff dépasse Maeva en difficulté, Maeva. Ouais, les pneus, on peut le comprendre. Hein. Waouh. Voiture chargée, plus pneus usés. Et oh. Duff. Oh. Oh. Si. Duff dans Maeva. Le bac à sable. Maeva a poussé un peu Duff, mais Duff était en grande difficulté. Oui, oui, non, de toute façon, là, il pouvait pas faire grand chose là. Ouais. Oh, est-ce qu'elle va être capable de tenir un autre coup, un autre tour? Ça va être compliqué, hein? Oh oui. Avec les pneus à 3 et 4. Ah, et puis la voiture est encore chargée, hein. Encore bien chargée en plus. Ça aide pas, hein, ça n'aide pas. Hein. Dans les transferts de charge. Oh là là là, là c'est compliqué, ouais, ça s'ouvre. Oh, ouais, Siro est trop loin derrière. Fait qu'elle est. Elle est correcte, d'après moi. Avec presque 20 secondes d'avance. Allez, 1:34. Dernier tour. Ouais, dernier tour. Alors, Mathieu, lui, peut se permettre. Je sais pas s'il va le faire, mais il peut se permettre de freiner devant la ligne pour passer à la fin du 28e. On va voir. On va voir s'il a fait le calcul. Est-ce que c'est à son avantage? Ça, hein, oui. Il a tellement d'avance, je ne sais pas. C'est qui le coéquipier de Mathieu dans le championnat? Le coéquipier de Mathieu, c'est...
Je crois que c'est El Tristano. Si ça aurait été Siro, ça aurait pu être un avantage pour lui de faire ça, mais je vois aucun avantage pour lui. Je vais te redire ça tout de suite. Moi, du coup, j'ose pas trop utiliser l'ordinateur. Oui, c'est El Tristano, les tontons râleurs. Les fameux tontons râleurs que tu aimes tant. Oui. Willow Puy. Willow Puy, ouais. Willow Puy. J'avais vu juste. Allez, l'essence. Et le pneu avant gauche. Oui, définitivement. Est-ce que Jérémy... Jérémy, il est à 30 secondes. Ah oui, okay. Jérémy va le passer. Il va finir dans son top 4. Mais ça va être très serré, d'après moi. Alors, lui, Mathieu va en finir, là. Ça y est, il arrive. Alors, oui, non, c'est terminé de toute façon. Mathieu. C'est bon, c'est le dernier tour. Mathieu, victoire de Mathieu. Allez, derrière la ligne droite, et on y est. Et victoire de Mathieu, officielle. Belle victoire de Mathieu. Et du coup, Jérémy est passé, effectivement. Oui, il est derrière lui, mais Jérémy est passé. Oui, il est très près avec des pneus neufs. C'est très facile pour lui de revenir. Regarde la quantité d'essence en plus. Rien n'est joué pour Jérémy. Alors, on va suivre ça de très près maintenant. Cette bataille pour la quatrième place. Attention, où il va passer. Ouais. Ça m'étonnerait que ça va être compliqué, surtout vu la dernière séquence du circuit là, avec ce tunnel et la chicane derrière, ça va être compliqué. Jérémy est très intelligent, reste à l'intérieur. Tout dépend de Jérémy. Et collision. Et Will, c'est très attention à la chicane maintenant. Attention, parce que c'est Will est pas dans la meilleure trajectoire possible. Hein. Attention. Ça passe. Allez, c'est pas fini, reste quand même une petite difficulté, on ne sait jamais. Oh, Jérémy qui a pris très à l'extérieur. Oh, Jérémy. Oh, mon Dieu. Alors... Et S24 est sur le ralenti complètement, donc aucun... Oh là. Du coup, ouais. Maëva, elle est partie, elle était déco, quoi. Elle a mis bail, après... Avant la fin ? Elle a passé la ligne, puis elle est partie. Ah ok, bon, on la voit même pas sur les résultats de course, c'est nul. Ah parce qu'elle a quitté la course ? Voilà, Il y a pas un bug là ? On nous a arrêté. C'est arrivé la même chose que Jérémy, j'ai tapé dans ma fille. Ah ouais, mais ça, quand il y a des fantômes, faut pas passer dedans. Hein. Je sais bien que c'est tentant, ouais. Mais... C'est très risqué, hein. Des fois ça marche pas. Hein. Ouais, moi j'ai réussi à le passer, mais j'ai eu chaud. Hein. Ouais. Attends, ah bah moi je suis pas passé dedans. Quand je suis sorti des stands, je pensais que c'était le triste. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de jouer la bataille, et c'est après que j'ai vu. J'ai vu un truc vert, je me suis dit c'est bon, je ressors devant lui, nickel, bon bah je vois du truc, puis après une fois que tu es passé devant, je dis merde c'était Mathieu, bon je dis bon bah. Ouais, bravo Mathieu. Jérémy aussi est parti direct, j'espère qu'il était pas deg, parce que le... En fait le dernier... En fait... Si oui Jérémy, oui, on l'a vu en direct, effectivement Jérémy est complètement parti à l'extérieur sur le dernier virage et a cassé sa voiture. J'ai rien fait moi de... Ah non, t'as pas touché. Recenser. Non, il était très loin au moment où il est parti. D'accord. J'ai touché un tout petit peu oui, derrière, dans le tunnel. Un moment en passant. Dans le tunnel, mais... Voilà, mais bon, rien de méchant. Non. Bah, j'étais reparti avec pneus neufs, quoi. Mais oui, effectivement, lui, il était avec des pneus très usés. Ouais, bah oui. Et du coup, j'étais deg parce que, du coup, quand j'ai vu que j'allais plus avoir assez d'essence, J'ai économisé, au final j'ai vu qu'il fallait que je m'arrête quand même, alors que si j'avais pas économisé, à la limite je serais reparti devant largement, quoi. Oui. Du coup, voilà, mais bon, je suis reparti juste derrière lui, comme j'avais les pneus neufs, je l'ai rattrapé, dans les derniers virages, je l'ai doublé un peu... C'est dommage parce qu'il a fait... Un peu virilement, mais bon.
Il a fait un bon départ, hein, c'est dommage. Bah ouais ouais, mais je crois qu'il a donc il a touché Malfi et après il a dû faire une autre connerie parce que je l'ai entendu dire ah, merde. Non. Non non mais là là oui effectivement il a et puis en plus il a eu un moteur cassé rapidement, enfin ça a été comme le Grand Prix d'Espagne, oui, hein, ça n'a pas été une course. Il est rentré dans Malfi qui avait oui, c'est ça, il était dans le fantôme et pas transparent oui. Mais ouais. C'est ça. Eh oui. Ça c'est le risque hein, le fantôme, faut l'éviter au max hein, parce que on sait jamais. Ouais, faut doubler comme si c'était une dernière. Hein. Mais moi qui voulais être déco, j'ai pas été déco. Ouais, ah, j'y ai pensé, c'est le triste. Une petite bataille avec le triste, mais... Je me suis dit, il va se dire, putain, je vais être déco, tant mieux. J'ai pas eu de bol, j'ai fait une tête à queue, S24, il a pas pu m'éviter. S24, il a fait une belle course, hein, putain. Il a fallu que je rentre au stand, ensuite j'ai pris Malfi, alors tu parles, c'est pas comme ça que tu finis bien, tu finis dernier dans ces cas-là. Ouais. Bah, pour une fois, c'est pas moi, ouais. Ça va, cool. Hein. Ah, ouais, je suis parti en tête à queue et S24 ouais, est en train de dormir, c'est pas sa faute. Hein. Même je sais pas si S24 il a pas eu d'amortisseur ou quelque chose. Rien du tout, bah, tant mieux. Non, par contre, je t'ai vu quand je tapais, moi, bah, je freinais. Hein. Ouais. Et je t'ai tapé le cul. Ouais, j'ai essayé de faire un tour pour voir si j'arrivais, mais j'arrivais pas à la conduire la voiture. Alors je suis rentré au stand et deux tours après je me tapais Malfi dans le tunnel. Ah. Le top. Malfi, ouais, j'avais doublé, mais bien à l'écart. Course à oublier. Pourtant j'aimais bien la voiture, j'aimais bien le circuit, mais bon. Ah, moi je crois que j'ai fait mieux que Calif. Je sais pas, mais t'as fait une bonne course en tout cas. Oh putain, que je me suis fait peur là à la fin. Ça aurait été tellement dommage quoi. Après ce qui est possible avec Malfi, c'est que au moment où j'y passe dedans, il m'avait peut-être pas vu dans le tunnel. Non mais il a été déco immédiatement après donc. Ouais non, ou peut-être qu'il s'est déco de lui-même. Hein. Ou je pense pas, je le saurais. Bah je le saurais. En tout cas, il a été en très grosse difficulté. Peut-être qu'il était en fantôme et puis dans le tunnel, il m'a pas vu. Il s'est remis pour avancer, tu vois. Ah, c'est possible. Peut-être. Et voilà, et je suis arrivé moi dans la mauvaise seconde, quoi. C'est possible, hein. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Ouais, et puis ce fantôme, il est un peu relou. Enfin. Ouais. C'est le genre de truc qui devrait disparaître arrive, complètement, comme ça, on parle plus, quoi. Oui. Ouais. Ouais, c'est un peu chaud moi, au début. Parce que Jérémy m'a passé. Ah, il est merdé. Ah oui, j'ai vu. Et après, j'ai réussi à le doubler, mais c'est. Après, j'ai déroulé, tout simplement. Oui, bah oui. Impec. Et Maeva, elle était à combien derrière toi, du coup? 25 secondes. Ah, ouais. Elle a pas fait semblant, quand même. Ah, mais si j'ai pas de ces deux accidents, je finissais peut-être dernier, mais je finissais au contact de S24, ou tu vois. Je n'aurais pas été à la ramasse, quoi. Je n'aurais pas pris un tour. C'est sûr que je n'aurais pas pris un tour. Déjà. À la fin, ouais. Tristan, tu te débrouillais bien. Je regardais tes temps et puis tes secteurs étaient bons. Ouais. Ah, et puis en plus, il y a eu pas mal de moteurs cassés. Hein. Eltris, tu as eu ton moteur cassé. Jérémy aussi. Ah oui. Ça joue, hein, forcément. Parce qu'au début, ça s'est plutôt bien passé. Le premier tour, il n'y a pas eu trop d'embrouilles et tout. Quoi. Non. C'est après que... Ouais. Duff a eu son moteur cassé, mais toi, Duff, tu l'as eu au meilleur moment. Ah oui. Bah, c'est pareil, de toute façon, moi... Duff, je pensais que tu ferais mieux aussi, ouais, ce qui t'est arrivé. Bah, en fin de compte, je crois que c'est au troisième tour, je me suis fait surprendre par l'usure des pneus. Je suis parti en tête à queue dans le dernier virage, donc j'ai eu une suspension, donc je me suis tâté, j'ai dit, je vais au stand. Et après, ça me l'a fait deux fois, ça. Sinon, dehors de ça, j'avais un rythme, je prenais mon tour le plus rapide, c'est 44-1, ou un truc comme ça, je crois. Ah oui. J'ai fait un 43-8. Dernier relais, putain, c'était la loterie. Je dis, j'ai mis assez d'essence, j'en mets pas assez. Bah oui, c'est ce que j'ai fait, moi j'en ai pas mis assez. Bah, j'en ai mis un peu plus, j'ai dit, oh, assuré. Hein. Bah moi aussi j'en ai mis un peu plus, mais ça l'a pas fait. N'empêche, c'est sûr, Jérémy, il a quand même pas de bol. Hein. Deux courses d'affilée, deux courses qui a quand même des soucis. Bah c'est ça. Ouais. Ouais, c'est la course. C'est ça, c'est qu'il a vraiment pas de bol. Hein. Déjà sur le Grand Prix d'Espagne, il a tapé. Ouais, et... un Ascari, il avait fait la pole, je suis plus sûr.
Ascari, oui, il avait fait quoi sur Ascari, Jérém? Il avait fait la pole, non? Ouais, je crois que c'est lui qui avait fait la pole. Oui, c'est ça. Bien que Eva avait fini avait fait la deuxième place au qualif. Ouais. C'est ça, ouais, sans doute. Oui, c'est ça, t'as toujours raison. Je crois que c'est Jérém, effectivement, qui avait le meilleur temps sur Ascari. On va dire au revoir aux Twitchers et aux YouTubers, du coup. Ouais. Oui. Hein? Yes. Et puis, on se retrouve. Charlie YouTubers, merci. Ouais. Et puis rendez-vous donc la semaine prochaine pour les qualifications du Grand Prix des États-Unis, certainement. Je ne serai sûrement pas là pour les qualifs. Bah oui, du coup. Mais sûrement pour la course. Ouais. Avec plaisir. Mais merci Tad pour l'occasion, c'était vraiment sympa. Bon, bah de rien. Pas de problème. Bon bah sur ce, les YouTubeurs et Twitchers, à la semaine prochaine. Salut. Salut, bye bye. Ciao.